Hello, thank you so much for joining us today for the 50th edition of New Director, New Films, our annual collaboration with Climate Legal Center and MoMA. My name is Florence Almosini. I'm a senior programmer at Climate Legal Center and this year co-chair for the festival in partner with La Française Touriste from MoMA. I just have a very few thanks to share with everybody before we start our Q&A. I would like to mention that the festival is supported by Film at Lincoln Center New Waves membership program, and Film at MoMA is possible by Chanel with additional support provided by the annual film fund. I also want to mention additional thanks to the US distributor of the film you just seen, Azor, Mubi. The film has been picked up for US distribution, and it's always great news when films get distribution, you know, based on a festival and get a longer life. With an American audience. So that's all I wanted to say. And now, without further ado, I would like to introduce the director of the movie you just seen, Andreas Fontana. And we also have a translator with us to help with any questions. We have Nicolas Elliott, but the audience is probably familiar with. Hi, welcome, Andreas. Thank you. Hello. So I'm going to start with a few questions for you, and I will hope you give me very honest and detailed answer to everything I wanted to know about Azor. I was very fortunate to be able to see the movie actually in a big screen when I first saw it, and it looked amazing. It was a very beautiful film. Then I rewatched it virtually, and it always looked great. So I'm really, really happy that you're part of the festival, and welcome to the new director, new film family, and we can talk about your film. So maybe my first question would be, you decided to talk about a very troubling part of history in Argentina in the early 80s, in a period called the Dirty War. But your movie is not exactly an historical fiction. You're not telling us what happened. It's not, we're aware of the fact, but you have chosen a foreign point of view to introduce us to the story of Argentina in the early 80s, mixed with other elements. So maybe as a beginning, could you talk a little bit about the origin of the film, your decision to take an oblique and a foreign point of view to tell us, you know, this period of in the history of Argentina. Donc moi, ça fait depuis quelques temps déjà avec d'autres films que j'ai fait, courts métrages bien sûr, que je m'intéresse à la question du rapport de la fiction et de aussi du documentaire, mais en particulier de la fiction et l'histoire. Et là, quand j'ai découvert ce monde de la banque, en particulier de la banque privée, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, disons, un territoire qui était très fort, pour trouver un mot qui correspond, disons, en dehors de la banque. Et surtout, pas aujourd'hui, mais à une époque où le secret bancaire était encore très, très vivant. It's been some time, for instance, with my previous films, which were short films, that I've been interested in the question of fiction and documentary, but especially the question of fiction and history. And so when I discovered the world of banking, and specifically private banking, I realized I needed a strong territory outside of banking, and that wouldn't be today, contemporary, a time when banking secrecy was still accepted. Ensuite, c'est vrai que l'Argentine, c'est un pays dans lequel j'ai vécu assez longtemps et que je connais très bien. J'y retourne presque chaque année. Bon, maintenant, là, il y a un peu un problème, on va dire, pour voyager, mais en réalité, j'y vais quand même très souvent. Et c'est un pays dans lequel je me sens, je me sens assez très proche. Et c'est vrai que c'est un pays. Chaque fois que j'y vais, chaque fois que j'y suis allé, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la fois la proximité qu'on peut ressentir, ou en tout cas l'impression de familiarité qu'on a en tant qu'Européen. Et en même temps, assez vite, cette impression s'estompe, puisqu'il y a un univers de faux-semblance. Ce qu'on pense être proche ou ressemblant, en réalité, cache quelque chose qu'on ignore, puisqu'en réalité, ce n'est pas un pays européen, c'est quelque chose de très différent. Alors, Borges disait que
Les Argentins étaient des Européens en exil. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre de l'éloignement et en même temps de l'étrangeté. So Argentina is a country that I lived in for a long time, and I still go back to Argentina pretty much on an annual basis. I mean, recently, of course, there's been a problem with travel, but I do go to Argentina very often, and it's a country that I feel very close to. And every time I go to Argentina, I'm struck initially by this feeling of proximity, of familiarity, like it's a European country. But then quite quickly, that impression goes away and one realizes that that's a kind of a mirage, because it's not a European country. It's actually very different. Borges used to say that Argentinians were Europeans in exile. And it's true that there's this element of distance and strangeness. Mais pour finir sur la question de la raison pour laquelle le film se situe à ce moment-là, je pense que c'est une période très très sombre, et en réalité, on va dire que j'ai eu l'impression assez rapidement que le métier bancaire tel qu'il se pratiquait, il se pratique finalement malheureusement encore aujourd'hui, se révélait de manière plus forte dans une situation avec des zones d'ombre, voire même des zones de d'obscénité, parce que c'est ça dont ça parle. Et en fait, un banquier qui se plonge dans une situation politique comme une dictature argentine, finalement révèle en réalité la nature, ou une grande partie de la nature de son propre métier. Donc ça, j'ai l'impression que c'était une superposition, on va dire, d'éléments qui me semblaient fort pour ça. To finish up about the question of why I chose that period, which indeed is a very dark period, I got the impression quite quickly that this would be an opportunity to show the job of banking as it was then, and sadly still now, including all the shadowy areas and in fact the obscene areas, because that's what the film is about. I had the opportunity to show a banker who is really diving into the Argentinian political situation, and by doing so, that reveals the true nature of his job. And so I thought that there was an opportunity to superpose elements that would make things quite strong. To follow up on these questions, can you discuss a little bit more the research you had to undertake in terms of the history of Argentina, which I assume, based on what you just said, you knew fairly well, but as well on the research on the private banking. I don't know if you're trying to make us feel sorry for private bankers versus the commercial banking. I wasn't really aware of the difference as a viewer, and it was quite interesting to see the rivalry between both. So can you talk a little bit more about this? Donc, bien sûr, il y a une différence assez notable, d'ailleurs, que je ne connaissais pas très, très bien. Je savais qu'il y avait une différence, mais pas si bien, entre la banque privée et la banque commerciale. De manière assez schématique, la banque commerciale, disons, traite à la fois avec le commun des mortels, la personne qui veut mettre 100 francs sur un compte, et les États. Un État veut obtenir une ligne de crédit. Donc, c'est une banque, on va dire, pour tout le monde. La banque privée, c'est une banque qui est ouverte seulement à des individus, des personnes seules, et des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment une banque, on va dire, de privilégiés. Mais alors après, c'est vrai que cette notion de privilégié change avec l'histoire, parce que pendant un certain temps, la banque privée était réservée à l'aristocratie. Puis ensuite, il y a eu tout un mouvement après la guerre de 45, donc la nouvelle richesse, etc. Puis aujourd'hui, l'aristocratie est plutôt plus désargentée qu'autrefois, et donc on a toute cette espèce de question d'où vient l'argent. Alors, il y a une phrase que disait un banquier que j'ai rencontré, que je trouve assez
assez juste, en fait. C'est une citation de Mark Twain, il disait « Virtue has never been as respectable as money ». Et il y a quelque chose de certain, de voilà, c'est-à-dire qu'on pense que le banquier privé s'intéresse aux bonnes familles, mais en réalité, il s'intéresse aux gros porte-monnaie. Pardon, je n'ai pas compris le dernier mot que vous avez dit. Vous avez dit, on pense que le banquier privé s'intéresse à la famille, mais en fait, il s'intéresse à ? Aux grosses fortunes. Ah, d'accord. So, of course, there's a significant difference between private banking and commercial banking, which I knew existed, but I didn't really fully understand. To say it simply, a commercial bank is a bank that is going to deal with your average man on the street. You can deposit $100, and that's fine. And it also deals with states. It's going to open lines of credit to states. So a commercial bank is open to everyone. On the other hand, a private bank is only open to individuals and individuals with a great deal of money. So it is a bank for the privileged. Of course, the notion of the privileged has changed over history. Initially, the private bank was for aristocracy. Then after 1945, there was the new rich and private banks started to deal with them. And now today, in general, the aristocracy doesn't have a lot of money. So this question of where does the money come from remains changing. There was a sentence that was said to me by a banker that I met, which I found was quite accurate. It's a sentence from Mark Twain. Virtue has never been as respectable as money. So we think that private bankers are interested in families, but in fact, they're really only interested in huge fortunes. Thank you. Now I know everything I wanted to know about private banking. I don't think I'm part of this set of people for quite some time. To go back about the film, I understand that you wrote the film, but you worked and you had a collaboration with another filmmaker, Mariano Linhas. Can you talk about your collaboration and why did you want to work with him, or what helped you? Maybe in his point of view, or was there specific scenes that he collaborated on? Oui, Mariano Linhas, donc le réalisateur argentin avec lequel j'ai, et aussi scénariste avec lequel j'ai élaboré le scénario, même s'il n'est pas crédité comme co-auteur. Disons que c'est une rencontre importante en termes d'écriture, parce que quand on s'est rencontrés, j'avais fait un traitement, donc l'histoire était là, mais en fait, il y avait quelque chose qui était qui me plaisait pas. Donc, quand je l'ai rencontré, on a commencé à simplement discuter, c'est-à-dire à dire, ok, ça, on a jeté le traitement en fait, c'est ce qu'on a fait en premier. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si, en fait, moi j'ai commencé à écrire, mais comme une sorte de, c'était comme une partie d'échec, c'est-à-dire que j'écrivais des choses et puis lui, il me donnait en réalité son point de vue. So Mariano Linhas is an Argentine director and actually a screenwriter as well. And I elaborated the screenplay with him, though he's not credited as a co-writer. It was a very important meeting for me in terms of the writing of this film. When I first met him, I already had a treatment, but there was something about it I didn't like. So we met and we started talking. And the first thing we did was to throw out that treatment and kind of ask ourselves, what happens if? And then I started to write, but it was like a chess game. I would write and then he would give me his impressions. Alors, quand je dis que c'était une rencontre importante, c'est-à-dire que moi, je fonctionne, disons, par émulation, on va dire ça comme ça. Et donc, en rencontrant même Mariano, je me suis rendu compte qu'il avait une exigence et une stature, parce que c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, mais aussi une vision très forte de ce qu'il fait du cinéma, et que par voie de conséquence,
ça, évidemment, ça montait le niveau, quoi. Et surtout dans un territoire qui est un territoire à l'Argentine où je ne pouvais pas faire des faux pas. Ce n'est pas possible avec un sujet aussi délicat, dans un milieu qu'il faut dire ce qu'il est, c'est un milieu qui est bourré d'avocats, en fait. Donc, si on se trompe, ben, on a un avocat qui est là, enfin, une série d'avocats. Et donc, il ne fallait, fallait pas aller à l'aveuglette, quoi. So when I say that it was an important meeting with Mariano, it's that I function a lot by emulating people. So when I met Mariano, he's someone who makes very high demands of the work that he's involved in. He's someone who has real stature. He's a strong personality who also has a very high vision of cinema. So that really forced me to raise the bar, especially because I was working in a territory, this territory of Argentina, where I could afford to make no missteps. I mean, to state things clearly, I was working in an environment that's full of lawyers. So at the first misstep, the lawyers would have been sicked on us. So I couldn't move blindly into this subject. Donc après, à partir de ce espèce de processus, on s'est rencontrés dans les hôtels, pour des raisons assez hasardeuses, dans des hôtels différents de parties du monde, ce qui aujourd'hui semble parfaitement exotique, mais on s'est vu à Vienne, on s'est vu à Madrid, on s'est vu à Buenos Aires, on s'est vu à Genève, et c'était comme une sorte de carte. Et à partir de ces espèces de cartes du monde, qui correspond en réalité aussi à la fantaisie de ce milieu-là, quoi. La fantaisie, on va dire... mondialisée de l'aristocratie ancienne, quoi. C'était un jeu, vraiment un jeu intellectuel, même si un jeu qu'on a pris avec grand sérieux, comme se font les jeux pour de vrai, on va dire, les jeux importants. Et je pense que Mariano là-dessus était déterminant. So from this process, we started to meet in hotels, which for various random reasons were all over the world. It seems very exotic to say it now, but we met in hotels in Vienna, Geneva, Madrid, Buenos Aires, etc. And that kind of created a map of the world that corresponds to the fantasy that one has of that environment, the fantasy of a globalized fantasy of the old aristocracy. And so we got into this kind of intellectual game that was actually very serious, like all important games. And I think that Mariano was determining in that process. I hope one day we can see a making of, the making of Azor with you and Mariano in different countries. Sounds fascinating. To go back a little bit more on the film, can you talk a little bit about the casting of the film? Because you have a great ensemble of mostly Argentine cast, as well as main actors, Fabrizio and Stephanie, who are amazing actors, European, and they're extremely, extremely well cast in that film. I love the performance they both give, and I was wondering if you were thinking of them when you were writing, that came later in the process, and how you managed to work with Fabrizio, Stephanie, and the Argentine cast all together. Alors, j'ai pas du tout écrit en fonction d'un casting parce que je suis parti d'une recherche vraiment personnelle que j'ai effectuée sur le terrain, et donc j'ai rencontré des gens qui étaient des vraies personnes, et après l'écriture les a, on va dire, traduits dans des personnages qui sont des personnages de fiction, mais j'avais en tête des personnages de non-acteurs, en fait. Et ensuite, on peut déjà peut-être traduire ça. Très bien. So I didn't at all write with the casting in mind, because I started from doing personal research in the field where I met real people. And so the writing, in a sense, translated these real people into fictional characters. So what I had in mind initially actually was non-actors. Ensuite, la,
on va dire, la matière du scénario d'emblée était... Moi, j'avais pas du tout envie de travailler sur des performances, on va dire, histrioniques ou bien excessives en termes de jeu d'acteur. Et donc, tout se jouait dans une relation de présence, quoi. Quels sont les éléments, les personnages en présence, et qui c'est qui tire la corde, enfin qui tire vers le manteau vers soi. Et donc là-dessus, c'est vrai que j'ai tout de suite su qu'il fallait, en fait, tout le monde, on a tous su qu'il fallait un casting très fort, quoi. So the material of the screenplay, given what that was, it was very clear to me that I didn't want to work with excessive performances in terms of acting, you know, over the top performances. Everything had to be based on presence, what characters were present, who is taking the spotlight at a certain moment. So we knew right away, all of us working on the film, that we needed a very strong cast. Alors concrètement, le casting il s'est fait en deux volets. Le volet européen, j'ai travaillé avec Alexandre Nazarian. Et là, on a cherché des personnalités qui étaient des acteurs professionnels, mais pas trop vus, ou alors pris dans des contre-emplois. Ce qui est un peu le cas de Fabrizio, parce que Fabrizio, il travaillait avec les frères Dardenne en partie, dans des milieux, en général dans un milieu qui n'est pas du tout celui-là. Et on peut déjà commencer. So, in concrete terms, the casting took place in two phases. The first phase was European, and I worked on that with Alexandre Nazarian. And what we were looking for were professional actors who were not too well known, or we weren't too used to seeing them, or else actors who were cast against type, which was the case, for instance, with Fabrizio, who has acted often with the Dardenne brothers, in which we see him in a totally different environment from the environment of my film. La deuxième partie, le deuxième volet du casting, évidemment, à l'argentin, était le plus long et le plus pléthorique, en fait. Il y a beaucoup de personnages, quoi. Le film, c'est un peu un paysage. Donc, et c'est presque tous, je dirais, à 95% des acteurs non professionnels qui viennent du milieu que le film traverse. Donc, c'est des avocats d'affaires, c'est des oligarques, c'est des aristocrates, c'est des gens comme ça. Ces personnes-là, il a fallu les trouver. Et Maria Laura Birch, qui est une grande directrice de casting argentine, a fabriqué une sorte de structure pour capter en fait ces gens-là. So the second part, of course, was the Argentine part of the casting, and that was the longest and the densest, because there are a lot of characters in the film. You know, the film is a kind of landscape, and the Argentine cast is, I would say, 95% non-professional. They're people that we found who come from the environment in the film. So business lawyers, oligarchs, aristocrats, all these people who are from the environment of the film. And that was difficult work to find them. We had to go and find them. And for that, a great Argentine casting director, Mariala Oraberch, set up a kind of structure that would attract these people. I have a couple of questions about the film itself. So when you see the structure, of the and the interaction between the main actors, I was kind of thinking of it as a triangle with Kine on top, and then equal with Keyes and Ines, his wife, because Ines is a sort of Lady Macbeth in the film. She has a very nice and posé presence. She seems like a nice person, very diplomatic, but with a lot of ambition. Pushing her husband and her lifestyle to stay what it is.
pushing her husband to support him too. And Kiehl's is an inspiration for Kinney as well as a mystery, because he wants to emulate and do as well as him. And, you know, it's personal and it's business. Like, I need to save the bank, I need to save myself, I need to become better than Kiehl's, that everybody's always talking about. So I was, and the interaction between both will push Kinney to the top, to the point where he loses all his humanity by achieving what he's supposed to do and beyond. So how were you thinking about this when you were like writing the film, and then when you were, I guess, editing and shooting the film? Or is that something that my triangle does not appeal to you? Non, je pense que, disons, pour être assez clair, je suis pas très intéressé au cinéma psychologique, au sens où les personnages sont, on va dire, remplis de motivation purement freudienne, on va dire ça comme ça. Disons que je m'intéresse plus à la façon dont les environnements donnés, là en l'occurrence c'est la banque, peuvent fabriquer des modèles de récit. Est-ce que c'est possible déjà? Moi j'ai l'impression que oui. Par exemple, la banque donne des possibilités de récit. Je pense tout simplement à des choses concrètes comme les fiches. Ça existe dans la banque, mais c'est pour un film, c'est des indices ou c'est même des pièces à conviction. C'est tout à coup un délit de laisser une fiche de client dans un hôtel. Donc les environnements, on va dire, professionnels, pour moi c'est aussi des formes de récits qu'on doit recomposer. Well, to be clear, I'm not very interested in psychological cinema, by which I mean a cinema in which the characters are full of Freudian motivations. I'm more interested in environments such as banking, the bank, and how those environments make models of narrative. Is it possible to make a narrative from them? And so, for instance, you take an environment like banking, and you have certain things like file cards, which exist in banking and in a film become a kind of evidence or even proof of a crime. And so it becomes a crime to forget one in a hotel. So you have the professional environment that's forming the narrative in a sense. Donc dans cet environnement-là, assez vite, quand j'ai décidé de mettre ensemble un couple qui voyageait dans un pays en dictature, dont le personnage principal, le mari, remplaçait un autre, parce que c'est ça en fait la situation, si on la résume simplement, c'est un personnage qui en remplace un autre. C'est vrai que je me suis rendu compte que ça faisait appel à des modèles narratifs que je connaissais parce qu'ils existent déjà, mais aussi parce que la banque elle-même se nourrit d'un certain nombre de points de force de ça. La banque, c'est un milieu qui est ultra compétitif, quoi. Et donc, le drame des familles bancaires, c'est qu'il faut être à la hauteur des attentes en termes de rendement, en termes de performance, quoi. Et donc, cette idée qu'un personnage... on va dire qu'il y a un duel à distance où un personnage se mesure à l'autre, c'est une idée qui vient directement de la banque. C'est pas une idée que j'ai inventée comme une option de narration. C'est une idée que la banque m'a donnée, quoi. So in this environment of the bank, you know, I quickly put together a couple that was traveling in a country that's under a dictatorship. And in this case, the protagonist, the main character, the husband, is going to replace another guy. That's the basic situation of the film. If we state it very simply, it's one character replacing another character. And to do that, on the one hand, I called on narrative models I knew, because they're ones that exist, but also
it's something that's inspired by banking, by the environment of the bank, because that is an environment that is hyper competitive. The tragedy, or at least the drama of banking families, is that people have to live up to an expectation in terms of returns and performance. And so in creating this distanced duel between one character and another, in which one character is going to measure himself against another character, I took that directly from banking. It's not something that I made up. It's something that banking gave me. Mais ensuite, il y a aussi les choses qui, moi, me fascinent secrètement, c'est-à-dire les personnages absents, par exemple. L'absence, pour moi, crée un vrai mystère, et donc ça permet de... C'est quelque chose sur lequel on projette en tant que spectateur. Enfin, moi, en tant que spectateur, j'aime projeter des choses sur les personnages absents. Et là, en fait, Keys, le personnage de Keys, pour moi, c'était un personnage que je secrètement, j'aime beaucoup, parce que... c'est un personnage qui se matérialise pour chacun de manière assez différente, voire même de manière très très différente. Donc c'est vrai qu'il y a un côté Rasputin chez Keys, c'est-à-dire quelqu'un proche du pouvoir qui manipule comme un sorcier ceux qui ont vraiment le pouvoir. Mais c'est aussi simplement un personnage sur lequel le spectateur et les clients, en fait, s'ils ont la même position, projettent leur propre désir ou leur propre peur. There are also the things that secretly fascinate me. For instance, absent characters. I really like the mystery around characters that are missing, that are absent, because you can project on those characters, the audience can. So Keys, for instance, is a character that I secretly really like a lot, because he materializes in very different ways for everyone. You know, he has the Rasputin side of a character who is close to power and who, like a sorcerer, manipulates the people in power, but also he has the same effect on his clients and on the audience, which is that we project our fears and desire on him. Et pour parler de Inès, parce que je pense que c'est important. C'est un personnage, en fait, il y a quelque chose qui est quand même sidérant quand on regarde un peu l'histoire, c'est que, enfin l'histoire je parle en général, c'est qu'on a, on a plein d'hommes qui font des choses, mais les femmes en fait sont là, quoi. On les regarde, ou alors elles sont l'épouse d'eux, etc. Alors qu'en fait, c'est une question aussi de représentation, en tout cas dans le cinéma. Moi je pense que c'était important que Inès, et je pense que c'est comme ça, fasse vraiment, soit active dans le travail. Et en réalité, j'ai rencontré des banquiers où je voyais bien qu'ils étaient plutôt passifs par rapport à ce que les femmes étaient assez proactives dans le couple, même en termes professionnels. Et ça, je pense que c'était important pour moi que ce soit le cas dans le film. So, and then to talk about Inez, because I think it's important, you know, it's stunning when you look at history, and I mean history in general, we have lots of men who do things, and women are there. They're either watching, or they're a wife. And this is a question of representation. It's important, it was important, that Inez does things. She's active in the work. And in fact, in reality, I met bankers where it was clear to me that the banker was rather passive, whereas the woman was more the proactive person in the couple. And I mean, including in the professional aspect of things. So I think it was important to show that in the film. There's a couple of scenes that I find really fascinating in the film, and maybe pivotal moments in a way I would see the film and see where the film was going. So one scene that I find very strong, and I hope we can discuss it a bit, it's when Kinney goes to the Circle of Arms, the Cercle des Armes, which is a very specific moment in the film in terms of creating an atmosphere
the space, the tone, the way the music is used, the paintings in the background. And it's nearly where he's deciding what's going to happen, what am I doing here? You know, there's a lot of mystery in that moment. And he meets, that's when he meets the next people, bringing him closer to Lazaro. He meets the Monsignor, and which is very creepy, and all these characters. So can you talk a little bit about creating that scene, maybe in paper and then filming it? Yes, of course. Ah oui, en français. en fait, il faut dire que moi, j'ai écrit le film d'une façon assez précise, c'est que je rencontrais des gens et ensuite aussi, j'allais dans des lieux. Quoi. Et ces lieux, les lieux du film qu'on voit dans le film, c'est des lieux que j'ai tous visités. C'est-à-dire que le lieu dans lequel la veuve reçoit les banquiers, c'est pas celui-là que j'ai visité en tant que dans mon enquête, mais c'était des lieux qui étaient très proches. Celui-là, en l'occurrence, on l'a trouvé tout seul. Il n'avait jamais été filmé. J'ai été aussi à l'hippodrome. J'ai été dans la province, dans ces anciennes estancias qui sont comme des domaines aristocratiques justement de l'oligarque de la terre. Et j'ai été, et ça c'était dans mon enquête le plus fou, au Sac des Arbres. So I have to say that I wrote the film in a very specific way, which is to say that I met people and I went places. The places in the film are all places that I visited. For instance, the place where the widow receives the banker and his wife, that's not the exact place, but it's very, very close to places that I saw and that we actually found by ourselves. I went to a horse racing track. I went to the estate, the aristocratic estate in the provinces. And then probably the wildest place that I went to in my research was this Circle of Arms. Alors, il faut savoir que pour entrer au Cercle des Armes, c'est très difficile. Il faut être accompagné par deux membres, pas un, mais deux. Donc, j'ai dû trouver deux membres qui étaient membres du Cercle des Armes. En Argentine, c'est un pays où il y a plus de 30 millions d'habitants, il n'y a que 500 membres. Donc, ça dit quelque chose de, on va dire, du côté clos, en fait, de ce cercle. Bon, j'ai réussi à trouver deux membres qui m'ont invité au Cercle des Armes. J'ai été un après-midi, enfin plutôt un midi-déjeuner au Cercle des Armes en costard, enfin en costume-cravate, puisqu'on est obligé, en fait, pour rentrer dans cet endroit, d'aller en costume-cravate. Et là, disons, ce que j'ai vécu, c'est exactement ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que le film se nourrit totalement de ma propre expérience. C'est-à-dire que j'ai tout de suite été perçu comme un banquier, ce qui était assez naturel, et surtout que j'ai vu des vrais banquiers discuter avec des vrais ecclésiastiques. So what needs to be said about the Circle of Arms is that it's extremely hard to get in. You need to be accompanied not by one member, but two members. So I had to find two members to invite me. And I should also mention that Argentina has a population of 30 million people, and there are only 500 members of the Circle of Arms, which gives you an idea of how closed an environment it is. But I did find two members to take me there. And so I went for lunch wearing a suit and tie, because that's a dress code. You have to wear a suit and tie to get into the Circle of Arms. And what I experienced there is exactly what happens in the film, which is to say that the film is based on my own experience. When I got there, I was immediately perceived as a banker, and I saw real bankers talking with real men of the cloth, real church authorities. Ensuite, c'est vrai que, bon, après, dans la façon de filmer la scène, moi, ce qui était très important pour moi, c'était, comme c'était un endroit, un moment où j'avais vraiment senti une sorte de vertige
pas seulement du pouvoir, parce qu'il y avait vraiment un lieu du pouvoir, mais du pouvoir occulte, là en l'occurrence, mais aussi un vertige physique lié à ces personnages, ces personnalités en fait. Et là, c'est pour ça que pour cette scène-là, on a demandé vraiment à ce que les membres du Cercle des Armes qu'on voit dans le film, ce soient des gens qui étaient vraiment tous issus de ce milieu-là. Donc là, on voit des gens, il y en a qui ils sont la moitié, enfin, un tiers sont banquiers, avocats, voilà. Des gens qui n'ont pas du tout un pied dans le cinéma. Par contre, ils ont deux pieds ou un pied et demi dans le pouvoir. Et alors, pour filmer cette scène, c'était très difficile, évidemment, parce qu'on ne mélange pas impunément le milieu du cinéma et le milieu de la haute finance ou des grandes fortunes, quoi. So in terms of how we filmed the scene, it was important for me because this was a place where I really felt like a dizzying impact of power, but not only just power, hidden power. And also there was something dizzying in the relationship to the characters. So it was very important for me that the scene feature people who were from that environment. I asked for that scene that we get members of the club to be in the film. And so the people you see really are from that environment. It's like a third bankers, lawyers, et cetera. People who don't have a foot in film at all, but who have both feet in power or a foot and a half. It was of course very hard to film because it's something that you don't do casually to mix the world of cinema and the environment of high finance and extreme wealth. I hope you didn't have to drink too many gins. No, but je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps, évidemment, avec les non-acteurs, les acteurs non professionnels du film, beaucoup, beaucoup de temps pour simplement pour qu'ils aient confiance en moi. Donc, c'était une drôle de période, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens que je fréquenterais habituellement, mais pour ce film, j'ai dû faire toutes ces choses. No, but I did spend a lot of time with the non-actors who were in the film so that they would trust me. It was kind of a funny period in that way because these are people that I wouldn't usually hang out with, but for the film, I did. I'm very proud of you. There's another scene that I find also quite touching and also pivotal. It's towards the end of the film when they're at Lazaro and you see the exchanges taking place. The list that is read to Kine is incredibly moving and nearly with some humor in it because it's so eclectic. And they are so distanced from what is happening, which is really the story of all these thousands of people who disappeared. But the list of objects are like so like weird, yeah, and eclectic from one to another. And the way like, well, you know, the cars are actually not there because, you know, it's not really a system that could be in place, but that's another type of list that are completely different to the list we saw earlier in the film with the banking system. But can you talk a little bit about how you made, you wrote this scene, how you filmed it, and I assume that you based yours maybe on some research, at least you didn't probably make up all these objects. I mean, I can't imagine like, how many plastic cans were there, like thousands, and then it was electric shavers, and then typewriter, and then a guitar. It's very bizarre. Disons que pour parler vraiment de cette idée de comment représenter la partie la plus dure du film et de la dictature argentine, c'est-à-dire la question des disparus, des 20 à 30 000, voire plus de personnes disparues par la dictature, c'est de ça dont le film aussi parle d'une certaine façon, même si c'est en façon assez...
en hors champ. Moi, je pense pas qu'il faille représenter la violence de façon frontale. Le film, d'ailleurs, ne le nécessitait pas. Ça ne me semblait pas du tout nécessaire. Mais par contre, il faut se coller quand même avec la dureté de la chose. Et une façon pour moi de le représenter, c'était simplement de l'énumérer. D'ailleurs, trouver une façon de... C'est ça, il y a des listes, comme aujourd'hui, on parle d'autres listes qui sont tout aussi terribles. Là, il y a une liste d'objets. Alors, peut-être qu'on va traduire ça. Well, to talk about this idea of how to represent the hardest aspect of the film and of the Argentine dictatorship, which is the disappeared, the 20 to 30,000 people who were disappeared by the dictatorship. The film talks about that. It talks about it off screen, but it does deal with it. I don't think that violence needs to be represented head on in a frontal way. And in fact, the film does not do that. But I do think that the film needed to tackle this harshest aspect of things. And so the way that I found to do it was to enumerate things through a list. The way that today we have our other horrible lists that express these things, through a list of objects. La question de la liste, c'est, alors, est-ce qu'elle existe? On ne sait pas vraiment... La question des listes est un peu difficile parce qu'il y a eu des choses qui ont été volontairement détruites par la dictature, dont les choses qui étaient des pièces à conviction. On ne sait pas vraiment, mais on sait que... Alors, il y a des listes de choses qui ont été volées parce qu'en réalité, l'aspect très trouble et terrible aussi cette dictature, c'est que les moments où on enlevait les gens, les militaires qui étaient chargés de ces enlèvements se servaient dans les maisons. C'est-à-dire qu'ils enlevaient pas seulement les gens, mais ils se servaient aussi des biens. Mais pas seulement des biens matériels, on va dire, petits, mais aussi, vous avez quelque chose qui est devenu systématique, c'est-à-dire qu'ils emmenaient les personnes qui étaient disparues, en l'occurrence, elles étaient retenues en captivité de manière clandestine, chez le notaire, et sous contrainte, elles leur faisaient signer une cession de biens. Donc signé par le notaire pour pouvoir acquérir des biens avec un contrat donc en bonne et due forme. Ça, c'est des choses qui ont été systématisées par cette dictature-là. So to talk about the question of the list and whether these lists exist, that's something we don't really know. The issue of lists is very difficult because the dictatorship destroyed a lot of this material, including material that would have served as evidence against it. But we do know that things were stolen. One of the most horrific things about this dictatorship was that when people were kidnapped to be disappeared, the soldiers who came and kidnapped them would help themselves to their belongings. So it wasn't only people who were kidnapped or taken away, it was also objects, and not only small objects. Something that happened is that when people were taken to be clandestinely imprisoned, they were also sometimes taken to a notary to sign over their belongings to the military, which allowed people then to acquire goods legally. This is something that became systematic in the practices of the dictatorship. Et ensuite, la nature, on va dire, de la liste, c'est-à-dire la nature des objets qui figurent sur la liste, qui est effectivement hétérogène, voire éclectique, c'est ce qui la rend encore plus terrifiante. Moi, en fait, je n'ai pas inventé cette liste. Il y a un rapport qui s'appelle... c'est un rapport, peu importe le nom, qui a été fait à la fin de la dictature. C'est un rapport qui fait une sorte d'enquête, qui essaie d'être exhaustif sur toutes les atrocités qui ont été commises à ce moment-là. Et c'est une sorte d'audit. Et là, dans cet audit qui est publié à la fin de la dictature, on trouve un certain nombre de documents qui mentionnent les éléments qui ont été volés, les éléments éparpillés. Mais ils ne sont pas tous regroupés. C'est chaque famille mentionne une disparition qui s'accompagne
une machine à écrire par-ci, des caisses de fruits par-là, une voiture, etc. Et même évidemment, la question des chevaux, qui est les chevaux de course, c'est un cas réel, c'est-à-dire il y a 15 chevaux de course qui ont été volés à un avocat argentin et qui ont fini en fait dans le Haras, donc le spot d'entraînement d'un haut dignitaire de la dictature. As for the nature of the list, the objects that are on the list, yes, it is heterogeneous, it is eclectic, and that's what makes it so terrifying. Now, I didn't invent the items that are on the list. It comes from a report that was published at the end of the dictatorship that aimed to be an exhaustive catalog of all the atrocities that were committed by the dictatorship. It's a kind of audit. And in this report that was published after the dictatorship, you find these different elements that were stolen, but they're not grouped together. You'll have a family mention that someone was disappeared, kidnapped, and at the same time, a typewriter went missing, a crate of fruit went missing, et cetera. And of course, there's the issue of racehorses, notably 15 horses that were stolen from a lawyer and that wound up in the training area of a high-placed dignitary of the dictatorship. Well, thank you. I think I'm going to ask one final question before we wrap up. Can you talk a little bit about the language and specifically the sort of dialect that we're using several times in the film, often by Inès. So there's the two Yorks and the Cousin Antoine, and of course Azor, which obviously is also used as the title of the film. So can you talk about bringing this into the film? I assume you knew, you were familiar with this vocabulary and the way it shared with the spectator. Donc oui, en fait, le film, il prend une forme, on va dire, de thriller ou de film à suspense, mais c'est un genre que moi, j'aime beaucoup, les films de genre, mais comme une façon de coder, on va dire, ou de chiffrer, je ne sais pas comment on pourrait dire, quelque chose qui m'intéresse plus et quelque chose qui doit quand même rester un peu brut, quoi, et quelque chose de l'ordre des relations d'un certain milieu social. Et donc, il y a eu une intrigue dans le film qui m'intéresse comme on s'intéresse aux intrigues, parce que moi, j'aime la tension d'une intrigue. Mais elle a toujours dû laisser la place, moi, j'ai toujours fait attention à ce que ça laisse la place à cette espèce d'étude d'un certain un milieu hétérogène qui est le milieu de l'argent, parce qu'il y a plusieurs milieux de l'argent. The film has the form of a thriller or a suspense film. I like genre film a lot, but it's also this film a way to, I suppose you could call it, to code something that interests me more and that must remain to some degree kind of raw in the films. And that thing is relations within certain social environment. So there's plot in the film. I like plot. It's important to have that tension, but the plot always makes room for an environment, which is the environment of money. And there are different environments of money. Alors, la question du dialecte, je l'ai découverte dans mon enquête en cours de route, et pour moi, c'était passionnant parce que ça raconte justement deux choses en même temps. C'est d'une part la question du code, que moi, donc, comme je viens de le dire, ça m'intéresse beaucoup, là, comment on code, comment on code une question, en fait. Une langue, surtout un dialecte, il traduit quelque chose en forme de code. Et d'autre part, il y a quelque chose de passionnant, même
de jouissif dans l'idée qu'on découvre en fait le point de vue d'un banquier en découvrant les mots qu'il décide de mettre dans son dialecte. Par exemple, faire causer Antoine, faire comme si on n'avait rien vu. C'est, évidemment, ça ne me viendrait pas à l'esprit en tant que cinéaste d'inventer une expression, un mot pour définir cette expression-là. Or, les banquiers en ont besoin, quoi. Ça dit quelque chose de leur préoccupation intime. Et ça, je trouvais que c'était vraiment passionnant. Et donc, voilà, le film, en fait, secrètement, ce qu'il raconte, c'est plutôt ça qu'autre chose, quoi. As for the dialect, it's something that I discovered along the way while doing my research. And it's something that was fascinating for me because it dealt with two things that I'm interested in. One is this thing that I mentioned about code. You know, how do you code an issue? Especially, you know, with a dialect, you're translating things into a code. And it's so fascinating and enjoyable to discover a character's point of view through the words that he uses in a dialect. So for instance, you know, do like cousin Antoine, meaning act like you haven't seen someone. That's something that as a filmmaker, I would never make up, but that bankers actually need. And that tells us something about their most intimate concerns. And secretly, that's what the film is about rather than anything else. Well, thank you. It was very enlightening, and I hope you make another film with more dialect or secret dialect from the world of banking, because it's also something I had no idea about. Thank you so much for talking about your film. We were very happy to be able to show it in New Director New Film, and very happy to meet you. Hope you'll be able to come sometime physically. And also thanks to Mubi for releasing the film and working with us. And I guess that's all for me. So if you want to say a final word. No, thank you very much. I'm very happy to be present in this selection. And thank you also for the translation. It was as precise as it was for me. So I'm very happy with this talk. So thank you very much. Thank you.